Les tondeuses sont de sortie, barbiers et coiffeurs de retour, sur les étals, des légumes frais sur les visages. De jolis sourires, contraste saisissant après ces derniers jours, Bangui respire. Le contexte est idéal pour sillonner la capitale. Dans les quartiers, le président par intérim est accueilli en sauveur. Nous voulons qu'il ramène la paix et nous, notre frère, les musulmans, les chrétiens, nous voulons seulement la réconciliation. Alexandre Ferdinand Nguende, c'est l'homme de la situation? Oui, c'est l'homme de la situation. Très acclamé lors de sa halte improvisée à la cathédrale Saint-Paul de Bangui, le président par intérim est déjà en campagne. Alexandre Ferdinand Nguende, très probable candidat à la présidence centrafricaine. La foule réclame ma candidature. Je suis sous pression. Je laisse la République apprécier. Merci. La foule réclame votre candidature. Est-ce que vous êtes candidat? La foule réclame ma candidature, mais ma préoccupation, c'est de pacifier le pays, c'est de ramener le pays sur la voie de la prospérité et du développement. Fini l'anarchie en Centrafrique. Le chaos est terminé. Vive la République. Il est très à l'aise dans son costume, ses mots trahissent son ambition. Alexandre Ferdinand Nguende est même venu chercher la bénédiction de l'homme le plus populaire du pays, l'archevêque de Bangui.